Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien et je sais que vous attendiez cette vidéo. Avant tout propos, j'aimerais vous dire ceci. Ma première vidéo sur la question du problème Baby Philippe de Bordeaux. Si vous avez bien remarqué, je ne m'en suis pas pris à l'artiste de Bordeaux. Je lui ai simplement dit qu'il n'avait pas besoin de faire ce qu'il a fait. Ou bien ce qu'il est en train de faire là, pour qu'il soit de Bordeaux. Je ne me suis même pas prononcé sur le fin fond du problème. Mais comme on dit, quand il y a dégâts que tu peux rectifier le tir, ou bien quand il y a, on va dire, débordement que tu peux essayer de canaliser le problème, il faut le faire. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Mieux vaut qu'on se dise la vérité pour mieux avancer. Eriton n'aime pas le mensonge. Eriton ne marche pas dans le mensonge. Eriton ne marche pas dans la marmaille. Voilà. Donc, ceux qui veulent savoir ce que j'ai à dire, asseyez-vous calmement, puis on démarre la vidéo après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur Eriton. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Voilà les amis, bien avant de me prononcer si cette histoire peut reluisante entre un arrangeur et son artiste ou entre l'artiste et son arrangeur, que son bébé Philippe est de Bordeaux, j'aimerais que vous soyez un peu décontracté. Voilà, ne soyez pas trop gamé, parce qu'actuellement je sais que vous êtes gamé, c'est ce que je vais dire. Demain, le clip, le tout dernier clip de mon artiste First King du Bénin sort. Demain 10 mars 2020. Sa chaîne est toujours dans la description des vidéos d'Héritor. Allez vous abonner et donnez-lui la force nécessaire. J'ai besoin de vous pour cet artiste-là parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment hyper, super talentueux. Il s'appelle First King. Allez vous abonner à sa chaîne dès maintenant. La description. Ok. Maintenant, de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, vous savez pourquoi je veux faire cette vidéo-là? C'est parce que j'ai vu tellement de choses, tellement de posts, tellement de vidéos. Ça raconte tout et n'importe quoi. Les amis, si vous avez bien remarqué, quand souvent Eriton vous fait des vidéos, il vous dit que ne confondez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et ce qui se passe en réalité. Sérieusement, hein? Ne confondez pas ça. Et puis, je ne vais jamais moi aussi me fatiguer, surtout. Je peux me fatiguer vis-à-vis des artistes, mais je pense que ce sont les fans qu'il faut qu'on respecte ou on déteste les artistes aussi. Ça, faut le savoir. Donc, je ne vais jamais me fatiguer de vous dire de ne pas défendre tout et n'importe quoi. Je ne vais pas dans cette vidéo pour vous dire que De Bordeaux a tort ou De Bordeaux a raison. De même que pour Bébé Philippe. Mais je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Première chose, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. C'est vrai, hein? On est tous fans de l'artiste De Bordeaux. Sans bébé Philippe, De Bordeaux sera toujours De Bordeaux. On le sait. Hein? Écoutez-moi bien. Et que ce soit bien clair dans nos esprits. Parce que je me parle à moi-même aussi parce que je suis fan aussi de l'artiste. Mais je répète encore pour vous dire, n'encouragez pas tout et n'importe quoi. Notre artiste De Bordeaux, que vous adulez là, n'est pas le seul artiste qui a la science de la vérité. Est-ce que vous m'écoutez bien même? Il n'a pas la science infuse des choses. Par moment, il peut vous dire la vérité. Par moment, il peut vous dire des contre-vérités. C'est pourquoi on parle de buzz. Parce qu'un buzz, il est sur plusieurs aspects. On peut partir du mensonge pour créer un buzz. On peut s'entendre avec quelqu'un pour créer un buzz. On peut partir même d'une vérité pour créer un buzz. Mais ce que moi, je vais vous dire, c'est que vous, en tant que fan, quand vous voyez un artiste, pour ne pas dire deux artistes, se disputer, prenez la peine, même si vous défendez votre artiste, pour ne pas avoir honte des mains, quoi, prenez la peine de peser le pour et le contre. Je vois trop de commentaires, je vois trop de réactions. Simplement parce que vous, les fans de Bordeaux, vous êtes venus simplement défendre l'artiste par rapport à ce qu'il a dit. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, l'essentiel, vous vous êtes gamé parce que vous, votre fanatisme, c'est ça. La définition de votre fanatisme, c'est ça. De Bordeaux a raison, donc on le soutient jusqu'au bout. Mais vous pensez que quand tu dis la vérité à un artiste, c'est pas le soutenir? Quand tu dis par exemple De Bordeaux sur ce plan-là, tu as tort. Tu penses que vous pensez que c'est pas le soutenir? Que de dire De Bordeaux, tu as raison. Quand par exemple, vous savez qu'il n'a pas raison.
Reprenons rapidement et brièvement la Genèse. Bébé Philippe, pour ceux qui ne le savent pas, va pour des papiers à la sûreté, pour les histoires de passeport. Et comme par extraordinaire et comme par hasard, Carmen aussi y était pour des histoires de passeport. Bébé Philippe est un ami de son défunt mari. Bébé Philippe n'est pas en parlable avec Carmen. Donc deux amis se sont vus, pas depuis normal de prendre une photo, et puis s'ils veulent même de la poster. Il n'y a pas de scandale dedans. Vous comprenez un peu? Ce que vous n'avez pas compris dans l'histoire de Desbordeaux et Bébé Philippe, c'est que, en fait, Bébé Philippe ne reproche rien à Desbordeaux. Mais il lui dit simplement que ce que tu as dit concernant Carmen, là, franchement, c'est vrai que tu as l'habitude de faire des buzz, de faire des choses en tolère. Mais franchement, moi, je suis ton arrangeur. Cette fois-ci-là, il faut arrêter ça. C'est pas mauvais, les amis. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans? Et puis, on doit forcément défendre notre niveau dans ça, là. Honnêtement, je reconnais que je me suis laissé un peu emporter dans ma première vidéo en disant que Bébé Philippe fait du chantage. Mais je pense bien, hein, de toute façon, j'observe les choses, là, que je me suis trompé énormément même. Rappelez-vous, quand Bébé Philippe n'arrangeait pas Desbordeaux, je ne venais pas dire à Bébé Philippe, tu exagères, tu es méchant. Je venais te demander pardon à Bébé Philippe. Non, excusez-moi. À Didier Arafat, je demandais pardon à Bébé Philippe pour qu'il arrange Didier Arafat, pour qu'il arrange quelqu'un, pour qu'il mette ses doigts magiques aussi dans la musique de Didier Arafat. Ce que même Didier Arafat désirait. Parce que vous ne savez pas, vous êtes là à dire que Didier Arafat, père à son âme, a laissé Bébé Philippe, il a rapporté beaucoup de prix. Mais malgré cela, Arafat désirait faire des chansons avec Bébé Philippe. C'est pourquoi il s'en plaignait, il faisait souvent des directs pour clasher Bébé Philippe parce que ça lui faisait mal. Il se disait que bon, pour une histoire d'ordinateur, parce qu'en fait le problème c'est quoi? Si Bébé Philippe ment, on ne le sait pas. Mais Bébé Philippe dit que d'abord, ce n'est pas une histoire de femme. Quand Didier Arafat sortait avec sa chérie, ils n'étaient plus ensemble. Vous voyez un peu? Mais comme sur les réseaux sociaux, chacun vient dire tout et n'importe quoi, chacun vient dire pour lui, c'est resté dans la tête des gens que c'est parce que Didier Arafat est sorti avec l'ex. Parce que les vidéos de Didier Arafat sont toujours là. Quand Didier Arafat parlait dans sa vidéo, il n'a pas dit je suis sorti avec ta femme, il dit je suis sorti avec ton ex. Il ne sortait plus avec lui. Normalement, en amitié, bon, entre collègues, tu sais que par exemple, tel artiste est sorti avec tel go, c'est un peu bizarre d'aller sortir avec elle. Bon, on peut comprendre ça. Mais ce n'était pas ça le problème. C'était une histoire d'ordinateur. Et depuis ce jour-là, Bébé Philippe a juré de ne plus arranger Didier Arafat. Et puis, ça restait jusqu'à ce qu'il se réconcilie. Et puis, malheureusement, il n'a pas pu faire un autre projet. Et puis, Didier Arafat nous a quittés. Il faut que ce soit clair dans vos têtes d'abord. Vous comprenez un peu? Je n'ai rien. Je n'ai vraiment rien contre Bébé Philippe, chef de Bébé Philippe. De même que je n'ai rien contre l'artiste des Porto. Parce que moi, pour ma petite personne, j'ai montré par A plus B sur les réseaux sociaux que j'étais prêt pour l'artiste Desbordeaux. Mais le problème avec moi, c'est que je suis le gars, je n'ai pas la langue de bois. Quand Desbordeaux déconne, je lui dis simplement, Grando, mon artiste, mon idole, tu as déconné. Ce n'est pas l'insulter. Je suis désolé. Ce n'est vraiment, vraiment pas l'insulter. Donc je vois des personnes qui disent que Bébé Philippe fait trop la grosse tête. C'est quoi vous appelez la grosse tête en fait? Et à la réalité, moi je l'ai toujours dit, hein, quand il avait son histoire avec Didier Arafat, il est libre d'arranger qui veut. Il est libre de fixer les prix comme il veut. À vous pensez que pour un son, 1 million c'est beaucoup. C'est parce que nous n'avons pas les moyens. Et ça, on comprend. Mais il y a des arrangeurs qui sont plus chers que ça. Il y a des arrangeurs qui peuvent te faire un morceau à 10 millions. Vous comprenez un peu? Allez faire une production aux États-Unis, vous allez voir ce que ça coûte. D'un album, il y en a qui peuvent mettre 5 millions de dollars. 10 millions de dollars. Donc, quand je vois des gens dire que Bébé Philippe, il est ceci, il est cela, c'est un peu trop exagéré. Je comprends. Ils ont dit un truc des Bordeaux à des fans qui l'encouragent souvent aussi dans la bêtise. Vous comprenez un peu dans la bêtise. Et c'est ce que moi, je déplore, en fait. Et comme moi, souvent, je viens dire à l'artiste des Bordeaux que franchement, sur ce côté-là, tu n'as pas raison. On dit que tu n'es pas un bon fan de l'artiste. Pourquoi? Parce que simplement, je lui dis que je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne vais pas être d'accord avec l'artiste tout le temps. Je suis désolé. Je ne suis pas un fou. J'ai une matière que je réfléchis aussi. Je pèse le pour et le contre. J'analyse bien les contours de la chose avant de prendre parti ou bien de défendre ou bien accuser. Vous comprenez un peu? Mais vous aussi, mettez-vous à la place de Bébé Philippe. Hein? Mettez-vous à la place de Bébé Philippe. C'est ton artiste. Il a l'habitude de faire des buzz. Et il se lève comme ça. Et puis, il fait un poste. Sans vous mentir, le poste que notre artiste de Bordeaux a fait là, c'est déplacé. Et ce qui me plaît, il y a certains fans de Bordeaux qui le reconnaissent, mais ils ajoutent toujours un mais. Le mais n'a même pas lieu d'être. Comment vous expliquer que les deux premiers postes sur Carmen, Desbordeaux les retire et après, pensant que bon, peut-être que le buzz est fini, l'histoire est finie, il vient faire encore un direct
Oui, il s'adresse à son arrangeur comme si, bon, il s'adressait à son bébé, son fils, son petit frère. Ça ne se fait pas. Même si tu es son grand frère, il faut apprendre à parler, même quand tu es en colère, avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. Si je peux mettre des dix, par exemple, ça ne va pas dans ta tête. Parce que le gars dit quoi? Il faut contrôler tes propos à mon encontre quand il s'agit de moi. Et mais il a le plein droit de le dire, mon artiste de Bordeaux. Je suis désolé, il a le plein droit de le dire. Il a le plein droit de le dire. Moi, en fait, je ne vais pas venir vous sortir certaines choses pour diaboliser une partie et laisser une autre partie. Non. Mais je viens juste, surtout, parler aux fans de nos artistes. Surtout ceux de Bordeaux et de Bébé Philippe. Parce que ce sont les deux protagonistes qui sont concernés dans cette affaire. Fans de Bordeaux, c'est bien que vous aimez défendre votre artiste. Il n'y a pas de problème. Mais ne prenez pas tout ce que votre artiste dit pour parler d'évangile. Vous comprenez un peu? C'est ce que j'essaie de vous expliquer, en fait. Ne prenez pas tout ce que l'artiste de Bordeaux dit pour parler d'évangile. Parce qu'aujourd'hui, si Bébé Philippe estime qu'il ne veut plus travailler avec Bordeaux, c'est parce qu'il estime aussi que Bordeaux a dépassé les bornes. Sans vous mentir, hein, moi et Rito, la réaction que Bordeaux a eue, si j'étais Bébé Philippe, j'aurais la même réaction. Mais dans toute chose, je peux me fâcher pour dire que je ne t'arrange plus. Mais quand tu sais au fond de toi, quand tu sais au fond, au plus profond de toi, que tu sais que tu n'as pas raison, tu t'excuses et puis on avance. S'excuser là, c'est pas se diminuer. S'excuser là, c'est pas être faible. Moi, combien de fois j'ai fait des vidéos ici, après je suis venu m'excuser auprès de certains artistes. Ça m'enlevait quoi? Je m'excuse pas parce que ces artistes-là ont raison, mais je m'excuse parce que ces artistes-là estiment que j'ai sorti souvent certains propos qui ne les ont pas plu. Donc je m'excuse pour ça. Mais ça s'arrête là. Ça m'enlève quoi? Rien du tout. Mais la fierté nous dépasse. La célébrité nous dépasse, la célébrité nous monte à la tête. Attends, on sait que même quand on est en erreur, on ne peut pas admettre qu'on est en erreur. Je suis désolé. Je suis franchement désolé. Un autre argument que certains religionnaires sortent, c'est qu'une fois, Bébé Philippe était en direct et puis il a dit que c'est des Bordeaux qui est bon pour vous, les Chinois. Mais où est le rapport? Effectivement, c'est des Bordeaux qui est bon pour les Chinois, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que des Bordeaux est celui-là qui a la capacité de dire la vérité aux Chinois. Mais où est le rapport avec venir déballer ces genres de choses aussi sensibles publiquement sur la toile pour une quelconque affaire de vouloir atteindre un groupe de fans que tu ne connais même pas, ni d'Adam ni d'Ève. Franchement. En tout cas, pour tout vous dire, moi, je ne vais pas accuser Bébé Philippe dans cette histoire-là parce que pour plusieurs réactions que j'ai lues, à part ceux qui veulent dénigrer, peut-être insulter Bébé Philippe et tout ça, on n'est tous pas d'accord, parce que moi, je n'ai pas aimé. Je n'ai vraiment pas aimé cet élan de poste, cet élan de direct que les Bordeaux avaient multiplié. Franchement, je ne savais pas, ce qui se passait, en fait. Il n'y avait pas lieu. Et puis, mon artiste a un problème, c'est que quand lui, il est en colère, il dit tout ce qui lui passe par la tête. Il y a une manière de s'adresser aux gens, même quand on est en colère. Il y a une manière de s'adresser aux gens, même quand on est en colère. Chose que je t'ai reproché, ça fait au moins 100 000 fois. Donc, chef a dû couper des cadets. Ceux qui pensent que Bibi fait la grosse tête, c'est pourquoi la décision de ne plus arranger des Bordeaux du Koufa. C'est votre opinion. Mais je peux mettre ma main à couper. Que beaucoup d'entre vous se trompent. Voilà. Si après plus de 11 ans de collaboration, une partie trouve que trop c'est trop, cherchez à réfléchir d'abord. Et puis ce qui me fait mal, c'est que quand il y a ce genre de problème là, au lieu que nous fans, on vienne essayer de trouver les propos pour arranger les choses, pour calmer les choses, pour réconcilier les deux parties, on se braque derrière un et puis on fustige l'autre. Vous ne voyez pas mes réactions? Vous ne voyez pas mes réactions? C'est parce que trop c'est trop que je vous dis cette vérité, je vous explique un peu comment les choses se passent en fait. Je sais et je peux parier à 1000% que la réaction de Bébé Philippe, la décision de Bébé Philippe n'a pas été automatique. Vous comprenez un peu? Et puis il y a une chose aussi qu'il faut savoir. Là je m'adresse aux autorités de Côte d'Ivoire. Franchement, hein, il y a un peu trop de laisser-aller sur les réseaux sociaux. Il faut réguler ça. On ne peut pas se permettre de venir publiquement pendant qu'on sait qu'il y a des enfants sur les réseaux sociaux sortis des grossièretés, sortis des certains injures, sortis certains mots déplacés, peu catholiques. Franchement, c'est inadmissible. C'est même pas acceptable. Il faut régler ça. Et puis, au fond des Bordeaux, là, ils vous demandent pardon. C'est moi, ils m'adressent à vous. Dites ce que vous voulez, comme vous avez l'habitude de dire, mais franchement, quand il y a un problème, cherchez à résoudre le problème que de toujours fustiger celui qui est en concurrence avec votre artiste qui en parle avec votre artiste. Parce que de vous à moi, à part l'histoire où Bébé Philippe qui a arrangé de Bordeaux, Bébé Philippe a fait quoi dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas le droit de dire à son collègue artiste que
Je ne souhaiterais pas que mon image soit associée à ce genre de truc-là. Il a le droit. Bébé Philippe est libre de dire à l'artiste des bordeaux, écoute, femme, tu veux dire des grossièretés, il ne faut pas mettre mon nom dedans. Il n'a pas ce droit-là. On n'a qu'à se dire un peu la vérité. On n'a qu'à se dire un peu la vérité. Et bon, comme on est super fan des bordeaux, on encourage tout et n'importe quoi. Je suis désolé. Je suis franchement désolé. Quelle est la vérité-là? Il faut la dire. Quelle est la vérité? Il faut la dire. Dans cette histoire-là, Bébé Philippe n'a rien fait. C'est parce que Bébé Philippe estime que l'artiste des bordeaux a exagéré, qu'il a pris cette décision-là. Tu as fait un truc qui ne m'a pas plu. Si je me plains, ou bien si je m'en plains, tu t'excuses et puis on avance. Il dit non, que toi, tu ne peux jamais t'excuser. C'est trop foutaise, même. Il ne faut même pas raconter. Il n'y a pas de problème. Donc là, de vous à moi, vous allez dire que c'est Bébé Philippe qui est le plus fier. Non. Tu peux peut-être déconner avec des posts, des directs. Mais au moins, quand tu sais que ce que tu as fait n'a pas plu à ton ami, tu t'excuses. Tu t'excuses simplement. Maintenant, l'artiste dit que lui ne peut pas s'excuser. Lui, il est pété au boulot, lui, il ne peut pas s'excuser. L'ami, laissons Bébé Philippe en paix. Voilà, laissons Bébé Philippe en paix. Et pour cette fois-là, ce moment, il ne s'est même pas derrière mon artiste. J'ai fait ma première vidéo pour l'interpeller. Je ne me suis même pas attardé sur cette histoire-là. Mais, quand je vois que, effectivement, il peut vous dire, c'est pas buzz, hein. Voilà, c'est même pas buzz. Oubliez à faire des buzz là-même. C'est même pas buzz. C'est pas buzz du tout. Voilà. Quand il y a ce genre de problème là, cherchez à arranger. Cherchez à arranger. Parce que le mec il dit n'arrange plus des bordeaux, vous êtes fâché. Mais tout ce que notre artiste a dit avant là, vous êtes d'accord avec ça. Or tout ce que notre artiste a dit avant là, lui ça pas. Ces choses n'ont pas plu à son arrangeur, à son ami, à son frère, à son collègue artiste, Bébé Philippe. Ah, sont un peu juste souvent. Ou bien vous aussi, vous êtes des fans de Béni Bibi, les légionnaires là, vous aussi, vous êtes des fans de Béni Bibi. Dites-moi. Dites-moi. On ne défend pas son artiste comme ça. Voilà. On ne défend pas son artiste comme ça. Ceux qui aimeraient connaître ma position vraiment sur cette histoire-là, c'est ça. Si Bébé Philippe décide aujourd'hui de ne pas arrêter des bordeaux, il a ses raisons. Les amis, il a ses raisons. Chacun de nous a une fierté en nous, en soi. Claire. À un moment donné, il faut que ça cesse, quoi. Bon, c'est un peu ça l'histoire, hein. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. J'espère que chacune des parties va mettre un peu dans son vin. Hein, un peu dans son vin. On va dire oublier un peu sa fierté pour arranger les choses. Sinon, c'est pas bon. Voilà, ce n'est même pas bon même. J'espère que je me suis fait entendre. Ciao, ciao.